dans la région de Ménabé, à l'ouest de Madagascar, impossible de marcher dans cette rue infestée par une horde de criquets. Les champs et les cultures sont recouverts de milliers d'insectes. D'après les experts, on n'avait pas vu un tel nombre de ces mangeurs de plantes sur la grande île depuis 1950. Techniquement parlant, nous pouvons parler d'une invasion, car il y a maintenant des milliers de sauterelles ici. Les conséquences de l'invasion pourraient être dramatiques, d'autant que la saison des pluies favorise la reproduction rapide des criquets. Les insectes menacent les pâturages, mais aussi les champs de riz, aliments de base des malgaches. Conséquence, l'ouest du pays pourrait rapidement connaître des pénuries alimentaires, voire pire, si l'invasion n'est pas endiguée, c'est la famine qui menace. Si ces criquets ne sont pas tués rapidement, la population malgache va beaucoup souffrir. Le Fonds alimentaire et de l'agriculture de l'ONU, le FAO, a lancé un appel pour venir en aide aux malgaches. En attendant le déblocage des fonds, les agriculteurs tentent tant bien que mal de limiter les dégâts. Tous ces champs sont utilisés pour le pâturage et maintenant ils sont infestés. Nous procédons à la fumigation des zones les plus proches de nous parce que nous n'avons pas assez d'équipement technique pour nous attaquer à toute la région. Les experts ont alerté autorités locales et communautés internationales. En l'absence de réaction, la crise se propagera à travers les deux tiers de l'île.